Ah, génial. Ah bah ce sera en espagnol, voilà. Volver. Jungle, un jeu développé par Patapez Interactive qui sortira en 2024. Il s'agit de la démo. Un jeu que j'ai découvert lors des Retro Gaming News numéro 140 chez Fabrice. Et ben c'est parti. Nuevo juego. Parce que le jeu est en espagnol, en anglais, en japonais, en coréen et en chinois. Et pas en français. Moverse, ça veut dire bouger. Bon, bon. Obtenir. Espada de pierre. L'épée de pierre. Une rudimentaire épée de pierre faite avec de la pierre. Génial. Attaquer. Appuyons sur X. Bon bah déjà c'est plus calme que le jeu d'avant. Il était excellent. Attaque spéciale. Maintenez X. Je suis un singe bleu. Alors voyons voir le HUD, 300 sur 300, ça je sais pas ce que c'est la x3. Vous êtes un Metroidvania ? Sautez en appuyant sur A. Double saut. Ohakuchi, un petit couteau. Je peux lancer deux couteaux. Ok, je peux en avoir entre 7 et 11. Oui, mais comment on fait pour le prendre ? Très bien. Mais attends, je voulais tester. Appuyons sur X. Ah, il faut s'équiper comme ça. Et là, je peux, en appuyant sur Y, lancer des couteaux. Très bien. Les objets peuvent... Peut-être modifié, les objets peuvent être modificateurs de feu. Modifie l'objet en... Ah, c'est en espagnol, mais l'espagnol que je connais pas, là. Ah, ok. Je peux faire soit épée de feu ou soit flèche de feu. C'est ça ? On va tester ça tout de suite. Il va dire. Éviter. Éviter, éviter. On descendra plus vite, on appuie sur bas. Les reliques, Otorgan. Otorgan, c'est pas un mot que je connaisse. Les effets passifs. Anihokon. C'est un truc de glace. 10% de chance de ralentir tes ennemis. Ouvrir inventaire. J'ai compris. D'accord, c'est un effet passif. Infliger des dégâts pour recharger l'amulette Simio. Utiliser l'amulette pour se soigner en appuyant sur LT. Très bien. Octroyer. C'est possible, ouais. Ça doit être ça. Bah c'est un spécial Metroidvania. Je me mets en full screen un peu. Qu'est-ce qui se passe ? Coucou ! Sont où les amis ? Oula, 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 ils sont là, ils sont là. Et avec le boss que je viens de battre, à mon avis, c'est easy peasy ici. Oh, on peut faire un... C'est pas mal ça. On peut faire une roulade en saut. Racha de muertes. Ce qui veut dire, je ne sais pas. C'est un espagnol que je connais pas. Oui, parce qu'à la base, je parle espagnol. Celles et ceux qui ne savaient pas. Alors, là j'ai... Ah, mais c'est un roguelike, ça. Temple. Le temple dans la jungle.
Orbe spéciale. Ok. Maintenant, je balance orbe spéciale. Très bien. Ouais, faut voir. Pour l'instant, c'est très... très banal, j'ai envie de dire. Pas très énervé. Il y a un petit champignon, là. C'est bien ça, c'est un roguelite. Généré procéduralement, comme on dit. Je vais aller là. Je suis curieux. Retour en arrière impossible. Et sur la carte, il y a une nouvelle carte. Ok. Enciende la llama para despertar. Ouais. Les ennemis dans la suivante zone aura plus 20% de vitesse et de santé. Les récompenses seront plus grandes. Plus grandes. Allez. C'est pour activer le mode difficile et avoir plus de récompenses. Ici on joue en hard. Hein. Je vais me faire défoncer. Allez, on joue bien. Déjà, on balance ça. On va faire une attaque en piqué. Ah, l'attaque en piqué. C'est le pied. C'est même la meilleure arme du jeu. Oula, il est pas content ce champignon. Quoi? Ah merde, j'avais pas vu les pièges. Ah, c'est moi qui active les pièges. D'accord. La banane. La nourriture la plus merveilleuse, génétiquement idéale. Ah, c'est traduit bizarre aussi. Je sais pas si c'est un jeu espagnol de base. Pas oublier que je peux me soigner aussi. C'est un peu mou, je sais pas ce que vous en pensez. C'est quoi ça? Mejora de poder. Pas de plus fort. Amélioration de pouvoir. D'accord, alors dégâts critiques, évasion ou. Une crème 3%, une dernière qui. Je sais pas, je vais prendre évasion, j'aime bien. J'aime bien éviter. Modificateur, agrégat 40% de chance d'activer tes armes deux fois. Oui d'accord mais... Ah oui ok d'accord. On en voyait deux. Très bien. Chaman. Attention, attention. Je vois qu'il y a un coffre là sur la carte. Il faut vaincre les ennemis pour l'ouvrir. Ah mais il bloque toutes mes attaques. Ah oui, il faut d'abord détruire ça. Ok. Vous connaissez Clunky Hero? Non. Roguelike, ah bah je désinstalle la démo. Les bottes légères, plus 10% de vitesse. J'imagine que si je perds, je perds tout ça. Ah ouais, ouais mais attention.
Comment on se soigne déjà avec LT? Ça ne fonctionne pas. Mais LT. Ouais, c'est bien cette touche. Pourquoi je peux pas me soigner avec l'amulette? Alors, gauche ou droite? Ah, gauche. Non, droite. Non, n'aie pas peur. Oui. Obtenir une relique rare. Le venin te cause des dommages. Le venin te causera des dommages lorsque tu utiliseras l'attaque secondaire. Les effets négatifs se termineront lorsque tu auras tué 20 ennemis. Accepter le venin. Oui. Et du coup, j'ai ça. Les gants de combat avancés. Plus 10% d'infliger dommages critiques. Mais ouais, d'accord, mais j'aimerais bien me soigner avec LT. Comment on fait pour se soigner Double saut. Je vais crever! Bon, là, j'imagine qu'aussi je vais devoir tuer. Bah, je vais faire ça tout de suite. Ah, bah voilà, ça a fonctionné là! Ok. Oh, un mimique! Il y a un mimique. Ouais, mais les mimiques, évidemment, me défoncent. Très bien. Alors, on va voir si c'est procédural. Comment ça se passe là? À part, j'espère que tu t'es entraîné. J'ai testé Batman New Level. T'es pas là quand j'ai testé Batman New Level? Creo que disfrutas ser golpeado. Je crois que tu aimes bien te faire frapper. Pas du tout. Santé maximum. Ressuscité ou curation. Ça, ça m'a l'air plutôt bien ça. Je ne serai pas là pour toujours, tu sais. Ok. Si, ah ouais, non, mais même le premier saut, j'y arrive pas, Batman New Level. La hache de pierre. Ah oui, j'ai plus d'armes. Donc je vais prendre. Je vais prendre ça, non? Diamant insuffisant. Mais oui, mais je viens de dépenser pour l'autre con là au-dessus. Du coup, j'ai pas d'armes. Je suis en main nue. Ah bah génial. Ah bah oui, non, mais j'ai pas de diamant. Bon bah ok. Fallait pas dépenser. Bizarre comme jeu, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah voilà, là j'ai le choix. Donc je prends la dague d'os et... l'arme secondaire. Je peux utiliser contre lui. N'est pas très efficace. Ah, c'est un petit jeu tranquille. Petit jeu détente. Bon, allez, cette fois-ci, je vais prendre le chemin facile. Ah, il m'a attaqué. Forcément, pas pu l'attaquer par au-dessus. Là, sûrement un défi avec un arc. N'aie pas confiance, ne crois pas mon frère. Prends-moi plutôt. Choisis celui-là, c'est le meilleur. Non, c'est celui-là. Ne trouvera pas de meilleure qualité. Ne l'écoute pas, je suis le meilleur.
Alors, l'esprit chercheur 2. Invoquer des petits esprits pour trouver des ennemis. Ou 3 couteaux. Eh ben, je vais prendre ça, tiens. Là, je peux utiliser la touche LB. Ok. Ok. Allez, le facile. On se détend. Par contre, j'ai du mal avec les touches LTRT, là. C'est mal indiqué, je trouve. Il devrait plutôt afficher une manette. Montrer où se trouvent les bons boutons, parce que LTRT, tout ça, je confonds toujours. Que c'est plus difficile. Okay. Du raisin. Ça sert quoi le raisin? Bon pour manger, mais mais c'est mieux pour faire du vin. Récupérer 20% de santé instantanément. Zapatos de carrera, la section de carrera s'activa más rápido. C'est pour être plus rapide. Hein. Trouver comment on court. Voilà, à chaque fois je confonds, je vais appuyer sur toutes les touches. Gants sanglants, les gants sanglants augmentent considérablement les chances d'infliger un coup critique. J'oublie qu'il y a un double saut. On va aller là. Je vais me tromper de touche à chaque fois. Mira comment brilla. Oui, ok. Alors là, on a le choix entre les gants de combat où le pendentif de la douleur provoque le double de dommages. Mais aussi. D'accord. Je fais double de dommages, mais j'ai aussi double de dommages, donc je vais prendre ça, du coup. Tu le regretteras, il dit. C'est Blanca bleu. Difficile à dire, ça, Blanca bleu. Blanca bleu. Oh là là, un singe avec une hache. Lemon. Une grosse guêpe. J'espère qu'il y aura des chauves-souris dans ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ah, je commence à enchaîner les attaques, là. C'est quoi ça? Pour ajouter un effet de feu. Eh bah... Bizarre qu'on voit pas le feu. J'attaque. Il y a un effet de feu mais ça se voit pas. Pour l'instant je trouve pas ouf mais pas nul non plus. Ouais c'est ça. Je suis en demi-teinte comme on dit. Ça me fait penser à un jeu que j'avais kickstarté, qui est sorti, et j'ai pas été crédité, ça m'a fait chier, et ça s'appelait...
Un jeu avec un piaf. C'était aussi des niveaux comme ça générés procéduralement. Yo, sir, clank, clank. Je fais clank, clank, clank. C'est pour améliorer les armes. Ouais, mais ça coûte combien, ça? D'accord, niveau 2. Voilà, épée de feu, plus améliorée deux fois. Comment il s'appelait, ce jeu, là? On pouvait même mettre un message custom sur des pierres tombales. J'avais mis mieux que Benzaï. On va le faire chier. Eagle Island, c'est ça. Eagle Island. Ah mais c'était... On s'entendait bien à cette époque-là, donc il y avait pas de mal. Alors, ah Mimic, mais je m'en doutais. Et lui, il va me défoncer. Oh bien. J'ai lu grâce à mon attaque secondaire. Améliorer la vitesse de... La vélocidad... Allez, vitesse d'attaque améliorée, très bien. Je savais pas que vous entendiez pas trop. On a divorcé en fait. C'est une longue histoire. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Du bambou. Allez, je vais faire confiance à toi pour une fois. Elige donde equipar. Ah mais non, je voulais le mettre sur la touche RB. Du coup j'ai perdu toutes mes améliorations. Ah bah non, je peux le reprendre. Attends. Faut faire un choix là. Et ça. 38-57. Allez, on prend ça. Tu m'as découvert avec Recalbox. Ce n'est pas toute mon histoire. Je les sens pas bien là, les poissons là. Je peux aller dans l'eau? Oui. Il faut absolument que je me soigne là. Voilà. C'est le meilleur truc ça. Temps de recharge réduit de 3% le temps de recharge de tes habilités. Allez. Dégâts critiques. Ah, il est pas si mal ce jeu. J'attends de voir les boss. S'il y a des boss. Qu'est-ce que je fais? Je vais en dessous. Oh, bien joué. Oh, le piège. Si j'utilisais ça. Ça c'est pour faire des attaques. Okay. Bah voilà, autant utiliser les armes secondaires à chaque fois. La baguette. Sort du four récemment, délicieuse, idéale pour faire un sandwich. Elle est là. Je pense qu'il y a moyen de... Il a le moyen de charmer ce jeu. Comment ça? Salut! Approche-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais te le faire plus fort. Obtenir une relique rare. Le venin te laissera partiellement ciego. Ouais, j'accepte, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Ah, d'accord, je suis plongé dans le noir. C'est ça? Ah, mais prends le truc. Les bottes ailées pour faire un triple saut.
Pourquoi faire? Le boss ou... Le boss. Le beau boss. Ouais mais d'accord, on le verra pas le boss. Merde. Voilà, ça c'est le boss. Merde. Salut. C'est un gros crapaud. Le roi sa puce. Oh merde. Comme soigner. Pour la prochaine fois, le venin, ce sera non. Hein. Ciego aveugle. Ouais. Je viens de comprendre. Allez, on va faire une dernière petite run. Hein. J'aime bien, mais ouais, faut voir. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre ça. Une hache. Et une attaque spéciale. Ah mais attends. Parce que non, il me faut me soigner. Santé maximum. Salut toi. Améliorer ses armes aussi. Chance de rencontrer des équipes améliorées. Arme initiale option ou arme secondaire. De toute façon, j'ai que 27. Il m'a fait peur ce con. Bien. Eh ben c'est reparti. On prend les deux. Hein. Non. Ah ben c'est la même. Si j'avais su, j'aurais pas acheté. Le saut qui sert à rien. Ah mais attends, c'est le même niveau. C'est le même niveau. En fait, c'est pas procédural. Oh, bien visé. Pas vu ce que c'était. Anillo de Fuego, 10% de brûler les ennemis ou toucher. Ah bon? Lorsqu'ils attaquent. Ah ouais, effectivement. La maniabilité est très très bien par contre. Ah ouais, mais. J'aurais dû faire ça. Pour passer à travers la lance. Et pour courir, il faut faire une roulade et appuyer en diagonale. Bas et avant. Ça? Comment on fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Carapace de tortue. Réduit de 5% le coût reçu. Elle appartient à une ninja mutante adolescente. La référence. Alors, gauche ou droite? Ah, gauche. Idole dorée. Augmente 10%. Eldaño. C'est quoi l'Eldaño? Je vois comment parler, c'est qu'elle passe dans un seul templo, no en tu mochila. Nickel. Les dommages. Thank you.
pas hésiter à utiliser ses armes secondaires à fond. Qui se rechargent très vite de toute façon. Ouais, je commence à apprécier là. Ça se joue vite en fait. Ça se joue vite, donc on prend de la vitesse. Sur les petits pièges. Je regarde jamais ma carte. Oh, un petit singe emprisonné là. Merde, 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 merde. Oh, il fait super mal. Je vais crever. Ouais, ça se mérite là. Je vais crever. Oh non, mais il tire vers le bas aussi. Oh la vache. Ça, c'est le genre de jeu. Une petite dernière. Non, il est pas mal. Pas mal du tout. Encore là? Ben oui, encore là. Je vais pas prendre d'armes, tiens. On va farmer un peu. Bon allez, encore deux ou trois runs. Pour en voir un peu plus. Le bouclier. Nouveau ça. Ça lance des bombes. Vraiment l'attaque à distance. Merci, ça m'intéresse pas. Ça oui pas. Oh, pas mal ça. Je me suis servi du piège pour le tuer. Ah, je préfère ça. Sans hésiter, je prends ça. Ah bah non, voilà, je le mets là. Ça se joue vite, mais pas trop. Je vais aller là. Non merci, ça m'intéresse pas. Le boss ou le super boss? Allez, le boss. Histoire d'en tuer au moins un. Non, c'est pas le boss. Oh non, non, mais pas les grenouilles! Vite là, non? Attends. Sûrement d'autres trucs à récupérer là. Mmh.
pomme. Manzana. Et comme ça, en plus, vous apprenez l'espagnol. Merde, j'ai pas vu ce que c'était. Bonificadores. Picayelo. Un pic à glace. Les attaques au corps à corps causent 20% de dommages aux ennemis ralentis. Ok. Moi, je suis bilingue, oui. Par l'espagnol et français. Allons voir ce qu'il y a là. Le cœur. Là, j'ai le choix entre... ou pas. Je peux tout prendre. On bouffe tout. Boss ou super boss? Petit boss. Ah non, c'est pas les boss, ça. C'est juste la suite. Mmh. Pire ennemi, hein, lui. Oh oh. Des petits couteaux. Non. Ok. Non, 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 non. Je préfère les boules, là. Boules de magie. Oh, merde, oh, merde, oh, merde. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un éléphant. Oh non, 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 mais il fait mal! Eh ouais, j'ai un bouclier aussi. Allons par là. C'est quoi déjà l'idole? Les ennemis de la pièce suivante auront 20%. Oui, la récompense. Allez, je prends. Les ennemis sont juste plus rapides. Ouais, au début j'étais pas... Je disais bof, mais là ça commence à être bien. Tiens, voilà, dans les pics. Ah oui, effectivement, les ennemis qui vont deux fois plus vite. Oh là là. C'est quoi sur le mur, là? C'est un bouton. Oh merde. J'ai évité tout le monde là, sauf lui. Faut se soigner. Plus de santé. Oignon. Non seulement savoureux, mais aussi antibactérien. Orbe spéciale. Orbe spirituelle lance une grande sphère d'énergie qui flotte. Eh ben... Voilà. J'ai pas pris ça? C'est le moment où je dois aller m'allonger un peu, sinon les jambes vont le payer cher. Il faut pas rester debout. Le payer cher quand j'aurai la quarantaine, j'ai pas lu la suite. Oh ça va. Encore jeune. Faut vous asseoir hein, si vous regardez mon stream. Restez pas debout. Plus de santé. Effet permanent? Non, pas du tout. Ah, c'est pour donner un effet en plus. Eh ben, effet de glace pour ralentir les ennemis après chaque coup. J'ai une revanche à prendre.
Ah là là, mauvais, 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 mauvais. Mais non, je voulais me soigner, mais je voulais me soigner. Mais oui, mais la barre de vie aussi, regardez. Non, il me reste encore de la vie, je suis pas mort. La barre de vie qui descend tout doucement, n'importe quoi. Bon, une petite dernière. Allez, franchement. Franchement, la petite dernière. Bon, allez, c'est validé le jeu. S'il est à petit prix, je me le prendrai bien, ouais. Attends, on va prendre des bons trucs. Des trucs qui défoncent. Comme ça, par exemple. Pas disponible en démo? Ah ben, la grande épée. Et une attaque spéciale, les trois boules. Comment ça j'ai... Oh, tant pis. Du coup, pas ça. Allez, petite dernière, hein, vraiment. Hein. J'espère que vous êtes encore plus de 75. Je crois qu'on arrête le stream trop tôt. Parce que j'ai pas le compteur sous les yeux en fait. C'est pour ça que je dis ça. Un peu sombre par là. Oh, les dégâts! Tout ça pour ça? Non, tu peux te le garder. Hein. Alors, je vais le prendre et je vais le mettre là. Mais je suis un peu déçu. Salut, Goacon! Quoi, on est 77? C'est une blague? Vous me faites marcher ou... On serait passé de 200 à 77? En faisant des bons jeux? Il faut faire quoi du coup pour être partenaire dans ce sur ce putain de site de merde là? Améliorer les armes. Vous baisez qui? Parce que j'y vais, hein, je baise, hein, y a pas de problème. J'ai pas de tabou. Eh bah ce sera le dernier jeu de la soirée du coup. Eh ouais les gars, c'est comme ça. Je vois qu'il y a un piège. Ah oui, oui, mais t'as marché dessus. C'est con parce que je voulais faire les autres jeux là, ça avait l'air tellement bien. Serpent. Prends l'argent, prends l'argent, prends l'argent. L'argent des abonnés. Une pomme. Ah là là là, le piège.
Eh ben je l'aurai pas l'affiliation plus. Hein. Je serai encore obligé de verser 70% de mes gains à Twitch. 70%, vous imaginez? Ah là là. Elle va garder la motivation après. Bon allez, on se dépêche. On finit vite cette partie et puis bye bye. Je sais pas ce que tu veux toi. Allez, je prends ça. Il a pas l'air content. Je vais là-dedans. Salut. Eh ouais, j'ai un bouclier. Dans ce cas, ce sera que sub et don. Comment ça? Deux subs. Eh ben. Alors, vivement le retour du Covid. Hein. Faut se soigner. Voilà, 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 terminé la fin de ce très bon petit jeu qui s'appelle The Jungle ou Dungeungle. Je sais plus. Bon, il s'appelle ce jeu déjà. Il s'appelle Dungeungle. Il est très bien.